Suivant la tradition, le lièvre à la royale, c'est un mets de roi, alliant lièvre, farce, cognac et foie gras. Une cuisson pendant des heures et de longues préparations. Une recette classique, mais très technique. C'est pas difficile, c'est très difficile. Très, très difficile. Un lièvre à la royale, faut le dépecer entièrement. Faut le farcir avec une belle farce de lièvre, avec du foie gras, de la truffe. Le recoudre, le refermer, le cuire pendant des heures dans un bouillon de gibier. Après, faire sa sauce. C'est comme tout, il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de répétition, une cuisson très lente, et puis après le travail des garnitures qu'ils vont faire, ça ne sera pas la pièce principale, mais ça va compter quand même, tout compte aujourd'hui. De la difficulté, certes, des produits nobles, certes, mais est-ce un plat d'exception? C'est quelque chose qui est très demandé, c'est quelque chose qu'on accepte de manger, puisque c'est un, avec même un supplément à la carte, parce que c'est quelque chose qu'on ne mange qu'une fois dans l'année. La chasse du lièvre, c'est du 15 octobre au 15 novembre et c'est fini, après il n'y en a plus. Je veux dire, c'est quelque chose d'exception. Il n'était que 9 à avoir été sélectionné pour la compétition. Et parmi eux, le plus arménien des restaurateurs belges. Il s'est levé le matin à 5 heures pour être présent à Romorantin. À Bruxelles, son lièvre à la royale figure à la carte de son restaurant. La recette m'a été transmise par un ami qui a proposé ça sur sa carte dans un restaurant bruxellois qui s'appelle Stirven. Il a proposé ça pendant plus de 25 ans. Il est en retraite, c'est un ami, c'est mon père spirituel, c'est monsieur Trouba. Il m'a transmis sa recette et je suis très fier depuis 2 ans de proposer ça à ma carte. C'est un plat d'anthologie que ces chefs ont confectionné. Certains étaient étoilés, mais tous ont emmené le public au 7e ciel.